Avis aux fans de Midge Maisel, la pétillante héroïne incarnée par Rachel Brosnahan remonte sur scène dans la quatrième saison de La Fabuleuse Madame Maisel, qui débute ce 18 février sur Prime Video. Que vous réservent ces nouveaux épisodes? Oh, que l'attente fut longue pour les fans de La Fabuleuse Madame Maisel. Plus de 2 ans après son dernier passage sur scène, l'intrépide Midge Maisel est enfin de retour sur nos écrans. Lancée ce vendredi 18 février sur Prime Video, la quatrième saison de la série récompensée aux Emmy et aux Golden Globe promet toujours autant de rires et d'émotions, et quelques nouveaux arrivants qui ne devraient pas passer inaperçus. Du changement dans l'air, les années 60 sont là, et il y a du changement à l'horizon pour Midge Maisel. Lorsqu'on l'a quittée à la fin de la troisième saison de La Fabuleuse Madame Maisel, la talentueuse humoriste incarnée par Rachel Brosnahan venait de se faire virer de la tournée de la star Shai Baldwin. Après cette débâcle, Midge est bien décidée à reprendre les choses en main. Fini les premières parties, elle veut une véritable liberté créative pour son prochain projet. Dans cette quatrième saison, elle a pour objectif de devenir une tête d'affiche et d'aller au bout de ses envies. Mais avant ça, elle va devoir régler un détail qui pourrait bien assombrir son quotidien, trouver comment payer pour son ancien appartement qu'elle vient de racheter auprès de son ex-beau-père Moash. Les ambitions de Midge pourraient néanmoins donner lieu à quelques tensions avec son entourage, alors que ses parents Abby Rose, Tony Shalhoub et Mara Hinkle s'apprêtent à emménager avec elle, mais refusent d'admettre que ce sont eux qui s'installent chez leur fille, et non l'inverse. Des retrouvailles très attendues derrière la série à succès se cachent la réalisatrice, scénariste et productrice Amy Sherman-Palladino, à qui l'on doit notamment une autre comédie dramatique bien connue des fans du genre, Gilmore Girls, portée par Lauren Graham et Alexis Bledel. Dans les premières saisons de La Fabuleuse Madame Maisel, la créatrice de la série avait déjà fait appel à quelques acteurs de sa précédente création, Alex Borstein dans le rôle de la manager Susie Meyerson, le regretté Brian Tarantina dans la peau de Jackie ou encore Lisa Veil dans quelques épisodes de la saison 3. C'est désormais au tour de Milo Ventimiglia, inoubliable Jess Mariano dans Gilmore Girls, et qui s'est illustré ces dernières années dans This Is Us, de donner la réplique à Rachel Brosnahan, mais pas que. Kelly Bishop, qui incarnait la mère de Lorelai, sera elle aussi de la partie. De jolies retrouvailles en perspective donc. Une excellente nouvelle pour les fans alors que la quatrième saison de La Fabuleuse Madame Maisel débute sur Prime Video, au rythme de 2 épisodes diffusés chaque vendredi, la plateforme en a profité pour partager une très belle nouvelle aux fans, la série est officiellement renouvelée pour une 5e saison, qui sera également la dernière. Alors, hâte de retrouver Midge sur scène? Rendez-vous dès maintenant sur Prime.